Salut, salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien, c'est Irritor. Je vais vous faire cette vidéo là comme promis. Je vous avais dit que j'allais me prononcer sur le cas Moula Djidja Rafat et Debordo Likouva. Voilà, je m'explique. En fait, cette vidéo là, c'est toujours dans mon élan de paix, dans mon élan d'union et dans mon élan de réconciliation entre Moula et Djidja Rafat. Je peux déjà parfumer et vous rassurer que cette réconciliation-là va arriver. Parce que vous devez comprendre quelque chose, vous n'allez pas avoir honte demain. Si Djidja Rafat et Debordo se sont réconciliés, ce n'est pas le Moula et Djidja Rafat qui ne peuvent pas se réconcilier. Ne vous mettez pas entre l'arbre et l'écorce, vous aurez tôt ou tard honte. Actuellement, il y a juste un problème d'ego entre les deux parties. Chacun est fier, chacun se la joue. Chacun veut voir qui fera le premier pas. Sinon, ils ne se détestent même pas. Il n'y a même pas grand palabre. C'est juste une question de fierté qui, on va dire, allonge ou bien prolonge cette réconciliation-là, cette union-là. Une autre chose aussi, moi je trouve ça décevant de votre part, très décevant, de désirer voir deux personnes se déchirer, se détester. Franchement, réfléchissez un instant. Imaginez que vous avez un meilleur ami. Parce qu'il y a eu un problème, vous êtes très remonté contre lui. Certes, lui aussi de même. Mais au fond de vous, vous êtes sûr que vous ne voulez pas que ce problème-là soit résolu. Vous ne voulez pas que ce problème-là soit réglé. C'est toujours nous les fans là, qui mettons nos artistes en palabre. Remarquez bien mes vidéos. Hein. D'autres diront que je suis un suceur, c'est vous qui voyez. Mais moi je vois loin parce que je suis un visionnaire. Je sais où je vais. Je ne déteste personne sur YouTube ici. Mais souvent, quand je dis mes vérités, quand vous regardez au fond, j'ai toujours raison. J'emploie peut-être les mauvais mots, mais j'ai toujours raison. Donc si moi encore, je viens dans cette vidéo, vous parler de réconciliation entre Djidja Rafat et écoutez et comprenez ce que je vais dire en fait. Comprenez mon message. Je suis un peu choqué de voir des personnes, non, le Moula, c'est un maudit, il ne peut pas se réconcilier avec Djidja Rafat. Mais c'est le Moula avec, et c'est avec le Moula hier, Djidja Rafat faisait le conseil. C'est avec le Moula, Djidja Rafat faisait tout. Faut se ressaisir, hein. Faut se ressaisir. Et vous savez pourquoi je mentionne Debordo dans cette histoire? C'est parce que c'est lui qui va servir de vecteur d'union entre ces deux parties-là pour régler le problème. Voilà, et ça va vous faire mal encore. Vous êtes sûr que ces deux ne vont pas se réconcilier, non? On est là, on regarde. Quand je faisais mes vidéos, rappelez-vous, pour dire, c'est vrai qu'il y a des pics, c'est vrai qu'il y a des palabres, mais je désire voir Djidja Rafat et Debordo s'unir. Beaucoup ne croyaient pas, beaucoup m'insultaient. Mais Dieu m'a donné raison. Et il me donnera raison encore. Parce que le bien l'emporte toujours sur le mal. Retenez-le. Vous pensez que ces artistes-là, quand ils vont voir faire des vidéos pour dire, non, nous on ne veut pas que tu sois réconcilié avec tel. Nous on ne veut pas que tu te réconcilies avec tel. Vous parce qu'il est fier de vous. Non, détrompez-vous. Il vous laisse juste faire. Il vous laisse juste faire. Parce que vous savez qu'il sait que vous êtes fanatique. C'est tout. Sinon au fond là, personne ne veut être en guerre avec quelqu'un. Personne. Parce que ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose d'encourageant. Ressaisissez-vous les gars. Ressaisissez-vous. Les clashs ont terni l'image du coupé décalé. Les clashs ont cassé le coupé décalé. Les clashs ont mis le coupé décalé au dernier rang. C'est ça la vérité. C'est cette vérité-là qui vous dérange. Et comme vous vous sentez bien toujours dans le mal, vous êtes des médiocres, vous encouragez toujours ces clashs-là. Qu'au clash musical, qu'au nom Moula est maudit, il ne peut pas. Moula, ses défauts, il est ce qu'il est. Mais il n'est pas que maudit, il n'est pas que mauvais, il sait qu'il y a du bon en lui. Et c'est ce bon-là qui entretenait ses relations entre lui et Djidja Rafat jadis. Aujourd'hui, ils sont en palabre, c'est vrai qu'on a fait des vidéos pour prendre position. On demande à ce que ces deux-là se unissent. Vous voyez ça en mal, vous dites que c'est impossible. Mais vous serez étonné, parce que je sais que ces derniers-là, ils regardent mes vidéos. Je ne suis rien. Mais quand un petit frère ou bien quelqu'un d'insignifiant apporte un bon message, il est toujours bien perçu.
il est toujours bien perçu. Et Didier Arafat et le Mollah vont se réconcilier. De Bordeaux. Parce que De Bordeaux se rapproche de Mollah, vous dites que De Bordeaux ne se fait pas respecter. De Bordeaux, c'est un suceur. À la limite, c'est un suiveur. Il est plus repéreur de Didier Arafat. Hein. Il est devenu un repéreur de trucs du Mollah. Vous faites rire. Vous n'avez rien à dire, en fait. Vous n'avez même pas d'argument. Vous parlez parce que vous avez juste un smartphone et vous avez envie de faire des vidéos. C'est triste de votre part. C'est vraiment triste de votre part. Le problème entre Didier Arafat et le Mollah est survenu sur le sujet Primude. Mais ils ne sont pas ennemis, les amis. Arafat est le gendre du Mollah. Retenez ça. Donc le problème va se résoudre. Il va se résoudre très vite. Et De Bordeaux va y participer. Il sera pour quelque chose dedans. Voilà, il sera vraiment pour quelque chose dedans. Et il va unir ces deux personnes-là, qui étaient très amis hier, qui étaient très famille. Ils ne s'entendent pas, je dis, vous êtes heureux. Bande de sorciers, je m'arrête là. Demain, encore une vidéo. J'ai dit, je vais faire des vidéos jusqu'à ce que vous soyez étonnés que ces deux-là se réconcilient. Voilà. De Bordeaux n'est pas un suceur. Et De Bordeaux est très intelligent. Détrompez-vous. Lui, il voit loin. Voilà, il voit très loin. C'est le gars, il est comme moi. Tu as déconné, il te dit mes vérités. Mais ça ne fait pas de toi mon ennemi. Voilà. Tu déconnes, je te dis ce que je pense. Mais je n'ai rien contre toi. C'est ça, mon De Bordeaux. Et il va résoudre ce problème à Arafat Mollah. Regardez avec moi, vous serez étonnés. Voilà, c'était la vidéo du jour. Partagez-la si elle vous a plu. Et faisons toujours la promotion de la paix. Bannissons les clashs de notre coupé décalé. Le coupé décalé n'a pas forcément de clash. Pour reprendre sa place de leader ici en Afrique. Merci.